Okay, nous avons pris l'opportunité d'être ici à Tunis avec 10 syndicats arabes pour venir visiter, c'est une visite de courtoisie, le président de la Tunisie. Nous sommes très reconnaissants qu'il a trouvé le temps, bien sûr, de nous recevoir, mais aussi des déclarations qu'il a faites de soutien à la mission de journaliste et de soutenir le syndicat tunisien dans les conditions actuelles et aussi pour la période à venir. Nous sommes très reconnaissants qu'il a déclaré d'une façon très claire son attachement à la liberté de la presse et son soutien pour des organisations comme le syndicat et aussi pour leurs journalistes quand ils font un travail des fois très difficile. Nous avons aussi pris cette opportunité pour soulever la question de les deux collègues qui ont disparu en Libye pour lui demander le travail que le gouvernement tunisien, que la présidence a fait pour essayer d'avoir des renseignements au moins. Et nous sommes absolument clairs que le président est en train de faire son possible dans toutes les occasions pour essayer de suivre toutes les pistes, parce que pour lui, comme il a déclaré, c'est une question très importante pour la Tunisie en tant que pays, en tant que peuple. Et pour nous, la Fédération internationale des journalistes, c'est aussi une question de solidarité, non pas seulement avec notre syndicat, mais aussi avec nos collègues. Nous voulons savoir où ils sont. Et nous avons demandé, et nous continuerons de demander, des renseignements. Et s'ils sont vivants, qu'ils soient libérés. Nous sommes solidaires avec eux, avec les collègues du syndicat et avec leurs familles.